Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Carte Oracle 17. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance spéciale lune, pleine lune du 13 juillet, pleine lune en Capricorne à 20h38 exactement. Alors, cette pleine lune, c'est une super lune, nommée la super lune du tonnerre. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle a lieu au mois de juillet et le mois de juillet est considéré le mois à orage. D'où ce nom spécial, super lune du tonnerre. Alors, ce que l'on sait aussi, c'est que c'est la deuxième super lune et la plus grande lune de l'année. Et cette pleine lune de juillet, elle concerne la dépendance, la responsabilité et la croissance. Alors, elle est très puissante, très forte, peut agir sur plus ou moins certains signes, plus ou moins forts, bien entendu, plusieurs jours avant et plusieurs jours après. Donc, c'est parti pour notre tirage spécial Super Lune du 13 juillet. Alors, un tirage à 13 cartes avec le jeu 32. Ensuite, nous ferons un 13 cartes avec l'oracle des miroirs. Et pareil, 13 cartes avec Monsieur Béline. Voilà. Alors, c'est une guidance générale, bien sûr. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, vous parle. Faites preuve de discernement. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Alors, spéciale pleine lune du 13 juillet 2022. À la coupe. Ah ah, nouveau départ. Un nouveau départ qui peut effectivement contrarier ou pour certains une grossesse. C'est même pas la contrariété, là, à l'endroit, c'est colère. Une grossesse pour certains qui peut mettre en colère ou bien un nouveau départ, quelque chose qui met avec certitude en colère. En tout cas, il est certain. Ah, ben c'est peut-être une vilaine dame, dame de carreau, une femme vénale, quelqu'un de pas très sympathique autour de vous va peut-être vous mettre des bâtons dans les roues pour vos projets. Alors, c'est parti, 13 cartes. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Je crois qu'il y en a deux. On va les garder. Oh, ben là aussi. Bon, bah écoutez, hein, multipliez. On garde. Alors, est-ce que vous les voyez toutes? Oui. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que nous avons au dos? Hop. Changement, déplacement, déménagement, voyage. Bon, on est au mois de juillet. Déplacement peut-être pour l'activité professionnelle, pour certains ou pour vos projets d'ailleurs, hein, puisque on voit très bien là derrière, nouveau départ qui recommence, qui est là. Et qui peut d'ailleurs aller très vite avec, si c'est dans le sentimental, votre chéri, votre homme de cœur d'ailleurs. Ou bien un déplacement pour un nouveau projet, pour aller voir une personne, pour une signature ou autre. Alors, nous démarrons. Bon. Contrariété, les amis. Ça démarre bien. Bon, on a vu une dame de carreau tout à l'heure. Alors, contrariété pour votre homme de cœur. Si ce n'est pas votre chéri, c'est votre papa. En tout cas, une personne proche de vous. Parce qu'il y a du retard. Donc, a priori, ça a l'air de contrarier votre amoureux. Alors, il y en a deux. Donc, ah, ben là, voilà la colère, avec certitude d'ailleurs. Votre homme va risque de se mettre en colère à cause d'une contrariété. Voilà, il y a du retard. Donc, avec certitude, il y a une colère pas loin. Concernant des nouvelles que vous allez recevoir en ce jour. Nous avons le couple. Alors, ça, en général, c'est quand même votre chérie, une personne qui vous aime, qui vous chérit, qui vous kiffe, va se mettre en retard par rapport à des nouvelles que vous allez recevoir. Des nouvelles qui va peut-être recevoir mon consultant, si c'est vous, de votre femme, de votre épouse, de votre sœur, de votre belle-sœur, en tout cas une femme proche de vous. Sinon, c'est le couple qui est concerné. Il y a du retard sur des nouvelles que vous allez recevoir. Et on se retrouve avec les deux.
Alors, ça peut concerner ce retard des nouvelles sur une signature. On voit qu'il y a une. Alors, ça peut être une secrétaire, une personne, voilà, ou une signature avec une dame. Si c'est dans le domaine professionnel, ça peut être votre responsable de service. Sinon, ça peut être. Voilà. Vous voyez, au niveau projet, il y a une dame, une femme brune, concernant une signature. Et c'est, j'ai l'impression que c'est un couple qui est concerné. Il peut y avoir du retard là, autour de cette signature. Ah, ben voilà pourquoi nous retrouvons notre couple. Il y a une vilaine dame qui met peut-être voilà, des bâtons dans les roues. On avait vu hein, cette colère. Hein. On avait vu quelque chose, une contrariété avec la coupe, hein, je crois, de mémoire, ou le dodec, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, elle est bel et bien là. Donc, on a une femme vénale, pas bonne, vilaine, qui non seulement bloque, va nous retarder également. Ben, c'est la totale. Donc, il y a du retard, il y a du blocage à cause d'une femme visiblement pas très sympathique concernant vos projets. Nous avons un homme. Alors, si ça n'est pas votre chéri qui représente bien, qui est posé, qui est voilà, qui est quelqu'un de bien, qui peut avoir un bon caractère, nous avons un deuxième couple là présent. Mais cet homme a une femme. Regardez si c'est dans votre entourage familial ou pour l'instant, je dirais pas que c'est familial. Il y a un couple et cet homme est accompagné d'une femme qui n'est pas très sympathique, si ça peut vous mettre sur la voie. Et bien, ça continue. Donc, non seulement nous avons une dame vénale, méchante, qui cherche des noises, mais en plus, il y a des gens méchants autour de vous. Il y a de la jalousie. Donc, elle n'est vraiment pas seule. Et tous, j'ai envie de dire, il y a deux couples là. Donc, il y a un couple. Faites attention un petit peu aux fréquentations autour concernant cette dame. La dame de carreau, on ne peut pas l'inverser. Hein. C'est forcément une dame qui est vraiment vénale. Et oui, ça concerne vos projets. Alors, pour certaines personnes, on peut être dans le domaine sentimental, là, hein. Si ça concerne votre chérie, vous avez peut-être des soucis au niveau. Ben, ça peut être une sœur, une belle-sœur. Hein. Qui vous accepte pas, ça peut contrarier vos projets. Il y a des gens pas bons autour, en tout cas autour de vous, ou bien vous avez également cette dame. De toute façon, elle est entourée de gens pas bons. C'est ce que l'on voit. C'est bien vos projets qui sont concernés. Il va y avoir un face-à-face quand même, hein. Donc il y a un déplacement, hein. Alors pour certaines personnes, ce qu'on peut voir là déjà avec les trois qui se suivent, c'est que si vous avez une femme qui n'est pas bonne autour, sachez que elle théoriquement, elle va pas bien. Hein. J'ai l'impression qu'elle est peut-être pas claire dans sa tête. Elle est entourée de gens pas bons. Vous avez comme un panier de crabes autour de vous concernant des nouvelles qui peuvent toucher votre chéri ou éventuellement votre papa. Là, je dirais plutôt votre homme de cœur par rapport à vos projets puisqu'il s'est collé au 10 de cœur. Alors, on voit très bien un retard. On voit très bien que pour vous, il y a aussi le blocage. Il va y avoir un face-à-face avec un homme, bien entendu, voire même un autre couple qui est prévu pour une signature. Mais on voit qu'avec certitude, il y a une colère. Il y a des gens quand même pas bons, hein, là. Hein. C'est un beau petit panier, là. Alors, si c'est dans le domaine sentimental, vous avez peut-être fait la rencontre d'un homme. On voit que les projets sont là. Mais on voit qu'autour de lui, éventuellement, il peut y avoir une femme. Alors, son ex, hein, peut-être, ou un membre de la famille, qui peut-être pose des problèmes, parce qu'il ne vous accepte pas, tout simplement, on n'accepte pas la mise en place de vos projets. Alors, on va essayer de voir un petit peu sur ce 8, là et là. Le reste, bon, colère, c'est pas la peine, de toute façon, avec certitude. Donc, voilà. Alors. Ça peut être éventuellement une dame plus âgée que vous, une dame âgée. Vous avez la réussite dessus. Alors, vous avez la réussite. Il y a un imprévu qui fait que vous allez avoir la réussite. Hein. Il peut y avoir autour de tout ce petit monde également une jeune fille, une jeune personne aux cheveux clairs. La dame de carreau, la vilaine, vous avez la réussite dessus. Il y a l'as de trèfle. Alors, ça peut être une femme plus âgée que vous, de quelques semaines, de quelques mois. Hein. Ou alors, il peut être question aussi de votre maman. On peut voir aussi qu'il peut y avoir les deux, donc vos parents.
ont peut-être des gens mauvais autour, ou bien ça peut concerner un. Il n'y a pas la, bon, je ne peux pas dire héritage parce qu'il n'y a pas l'argent, bien qu'il y a la une signature officielle là quand même. Peut-être qu'il y a des gens pas bons autour d'eux également. Vous voyez comment ça vous parle. Mais on voit bien qu'il y a un deuxième couple de concernés là aussi, hein. Il y a signature dans l'air, en tout cas, peut-être face à face avec deux couples. Voilà les amis, ce qu'on peut déjà dire avec le jeu de 32. Attention aux gens pas bons. Vous avez quand même sérieusement la dose autour de vous. Hop. Alors, monsieur l'oracle des miroirs, voyons voir un petit peu pour notre spéciale pleine lune du 13 juillet 2022. Pour la pleine lune, spéciale pleine lune. Et attention toutefois aux colères quand même, parce qu'avec cette pleine lune qui est violente, qui est forte et qui s'appelle tonnerre, voilà, hein, j'ai envie de dire, bon, attention aux éclats de voix. À la coupe, nous avons les solutions des projets qui sont là, les amis, concernant le foyer, la maison, chez vous, peut-être l'immobilier, peut-être un nouveau, regardez, un nouveau projet, une naissance, on l'a vu avec le jeu 32, hein. Et on vous montre du doigt, ben voilà, on ressort les mêmes énergies. Si vous avez un projet en ce moment en cours, sachez que la solution, elle est là. Ça peut concerner votre foyer, donc. Et on vous montre du doigt. Ça peut concerner une grossesse aussi. Et on vous montre du doigt. Bien. Alors. Voir, je fais de la place. Voilà. Alors, nous démarrons. Toc. Regardez, nous retombons sur notre nouveau projet, naissance pour certains, avec une superbe évolution. Je ne vais pas plus loin, c'est très beau. Vous avez envie de prendre la distance, les amis. Vous avez envie de partir. C'est le moment. Remarquez, c'est les vacances. Pour d'autres, ça peut être un déménagement, un changement quelconque. En tout cas, vous avez envie de prendre de la distance par rapport aux trahisons. On l'a revu. Dame de pique, dame de carreau, valet de pique. C'est bel et bien là encore une fois. Vous voulez retrouver une certaine tranquillité. Alors. Concernant peut-être aussi votre famille, vous voulez retrouver une certaine tranquillité concernant votre propre famille, on a vu avec la maison sous votre toit. Vous voulez peut-être aussi retrouver ou prendre de la distance par rapport à votre famille s'il y a eu aussi trahison, vous voyez comment ça vous parle. Oui, vous vous projetez, ça cogite, ça cogite, ça cogite. Et regardez, victoire, une belle réussite. Et hop, pour votre foyer. La coupe revient, les amis. Vous avez des rêves. Alors, les amis sont là. Avec les amis, on a peut-être discuté de ses rêves. En tout cas, on voit qu'on signe. Il y a quelque chose qui est décidé. C'est pour vous, ma consultante, ou pour une femme proche de vous. Il y a beaucoup de sentimental, il y a beaucoup d'amour, il y a quelque chose de beau. Et on a la clairvoyance, vous voyez clair, vous vous projetez, vous vous mettez en place votre intuition. Pour certaines personnes, ça ne parlera pas à tout le monde, je peux voir que vous avez peut-être été... niveau amical, est-ce qu'il n'y a pas une trahison? C'est-à-dire que l'amitié se transforme et c'est pas ce que vous attendiez. Et vous avez votre intuition vous la fait comprendre, vous la fait savoir. Il y a une petite trahison amicale. Pour d'autres, eh ben écoutez, on va prendre de la distance avec la famille parce qu'il y a peut-être eu un souci de famille. Pour d'autres, on prend de la distance enfin pour créer sa famille. On voit très bien que les projets sont là, il y a une grande victoire, on acte quelque chose, les rêves se mettent en place, très beau.
un peu proche du 32, donc on confirme bien les projets. Alors, je vais en mettre une sur trahison. Hop. Et ami. Je voudrais voir un petit peu. Voilà, le reste c'est beau, c'est pas la peine. Trahison. Alors, ça a mis du temps ou ça va. Alors, peut-être que c'est pas encore passé. Soyez vigilants. Vous allez avoir une belle évolution. Donc, les amis ne sont pas négatifs. Il y a une belle évolution avec les amis. Alors, peut-être que vous en avez discuté avec les amis. Attention à la trahison qui n'a peut-être pas encore eu lieu concernant vos projets ou vos amours. Bien. Eh bien, écoutez, nous allons passer à Monsieur Béline. Monsieur Béline, pour notre super lune du 13 juillet 2022. Super lune du 13 juillet 2022. À la coupe, nous avons un départ. Eh oui, vous voulez prendre de la distance. Monsieur Béline nous ressort bien que vous avez envie de partir, ou pour certains, en tout cas, vous allez partir. Il peut y avoir aussi un système. Ah oui, vol perte. Il peut y avoir aussi, malheureusement, le départ de quelqu'un. Et vous êtes peut-être effectivement, de ce fait, dans un héritage. Et on peut voir aussi qu'il peut y avoir pour certains un souci. Qui peut finir au tribunal. Alors, ça peut concerner un héritage hein, familial. On a vu qu'il y avait un souci de trahison avec la famille. Vous voyez, méchanceté. Donc, voilà, c'est bel et bien là pour démarrer quelque chose de nouveau. On ressent bien des tensions familiales pour certaines personnes. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. On a les plaisirs autour du vol et de la perte, quelque chose qu'on va essayer peut-être de vous arnaquer, de vous faire à l'envers. Vous allez vous en sortir parce qu'il y a les plaisirs donc, et la renommée. On va reconnaître ce que vous faites, ce que vous dites. Voilà, et c'est pour vous ma consultante hein, ou pour une femme proche de vous. Alors... c'est parti. Trafic, le professionnel, le travail, vos activités, vos démarches. Il est question d'argent dans ou professionnel ou bien dans ce que vous êtes en train de en ce moment de faire. Voilà, s'il y a un projet en cours, qu'on a vu d'ailleurs, il est question d'argent. Avec quelque chose, fatalité, quelque chose qui peut prendre fin. Oui, on l'a vu. Hein. Donc, il est bien question pour certaines personnes d'héritage. Il y a quelque chose qui a pris fin, qui va prendre fin. Il y a de l'argent et vous êtes sûrement, on a vu aussi avec la carte procès, dans un conflit peut-être d'héritage pour certaines personnes. Et pour l'instant, c'est au point mort. Mais... patience, les amis, on a vu la carte temps, la réussite. Et là, ça va finir par bouger, par s'arranger. Enfin, s'arranger. En tout cas, il y a quelque chose qui va se décanter. Et on va pouvoir souffler, se reposer. On vous conseille peut-être aussi de vous reposer un peu. Ça a peut-être été compliqué, difficile, tout ça. Regardez, vous avez la réussite qui arrive. Vous voyez? Et... c'est pour vous, mon consultant, ou pour un homme proche de vous. Attention, vous avez des ennemis autour de vous. On l'a vu, hein, avec le 32, l'oracle des miroirs. Hein. Ça touche votre domaine sentimental, ou en tout cas, ça va vous
ça va vraiment vous sensibiliser, pardon. Ces ennemis, ça va vous toucher. Ou bien ça touche votre domaine sentimental. Alors, voilà, j'allais le dire. Voilà, il y a de la méchanceté. Alors, ça peut être familial, hein, comme on l'a vu au tout début avec le jeu 32, hein, une femme plus âgée. Alors, ça peut être votre maman, hein, tout simplement, vos parents qui n'acceptent pas aussi votre relation, hein. Et on va sur un pépin, là, les amis, hein. Un accident, donc dispute. Accident ennemi. Voilà, là, je pense que il va y avoir un petit peu de. Ça, le dialogue va être difficile. Alors, pour certaines personnes, ça peut concerner un héritage. On voit que émotionnellement, vous allez être touché, bien qu'il y ait la réussite hein, qui arrive, hein, puisque vous avez la clé, vous avez la réussite. Mais vous êtes entouré de gens qui ne vont pas vous aider. Hein. Attention aussi à cette carte vol-perte que l'on a vue tout à l'heure en dos. Alors, je vais recouvrir. Pour d'autres personnes, le côté sentimental aussi peut être mis à mal. Peut-être qu'on n'accepte pas votre homme ou vous, monsieur, on n'accepte pas votre nouvelle relation. Donc, ce qui explique peut-être que l'on vous met des bâtons dans les roues. Pour d'autres, un conflit d'héritage, c'est clair. Alors, accident, fatalité, ennemi, méchanceté. Eh bien, vous êtes vernis, hein? Bien, alors fatalité, qu'est-ce qui prend fin? Les pourparlers. Ça va finir par prendre fin, les pourparlers. Vous allez couper, hein, vous allez. Voilà. L'accident, bon, vous allez avoir le dessus, vous allez en rigoler après. Vous voyez, plaisir veut dire qu'une fois passé, vous allez en rire. Vos ennemis, attention à une invitation, les amis. Attention à une invitation avec des gens qui peuvent, qui ne sont pas forcément d'accord avec vous. Et qui peut-être vont vous inviter pour venir un peu aux nouvelles. Alors, la méchanceté, c'est dans la maison. C'est dans le foyer. Soyez vigilants. Donc, je pense que c'est bien familial. Attention à une invitation. Bon, on va essayer de vous tirer les vers du nez. C'est pour ça qu'on vous invite, d'ailleurs. Vous allez en rire après. Hein. La méchanceté va vous faire sourire. Hein. On voit que vous allez mettre fin au pourparler. On coupe. Voilà. Ça peut concerner tout simplement votre un sentimental. Une présentation voilà, de son chéri, de sa chérie. Ça peut concerner un héritage ou tout simplement un repas de famille. Voilà les amis. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage, cette guidance vous a plu, vous a parlé, vous parlera ou vous aidera. J'ai été super contente de vous faire ce tirage spécial. Lune du tonnerre du 13 juillet. Merci pour votre fidélité, pour votre soutien, pour vos pouces j'aime et vos commentaires. Pour ma part, je vous souhaite de passer d'agréables moments et je vous donne rendez-vous très bientôt.